La création d'un cinéma à la Seyne-sur-Mer est un projet qui commence à prendre forme. Depuis quelques jours, des travaux de désamiantage sont en cours dans l'ancienne friche industrielle des chantiers navals. Dans ce bâtiment, attenant aux ateliers mécaniques, vestiges de l'ancien chantier naval, des entreprises s'activent au désamiantage avant démolition totale. Des travaux décidés par le maire de la Seyne-sur-Mer dans le cadre du premier volet concernant le projet Cinéma plus Hôtel. Pour créer les conditions de l'avancée du projet, pour ce qui nous concerne la mairie, nous tenons notre engagement et nous engageons ce chantier-là. Coût du chantier 560 000 euros à la charge de la commune, un investissement sur l'avenir qui n'est pas à fond perdu. Quand le projet d'à côté va ouvrir, on va amortir au fil des années cette partie des 560 000 euros. Et puis surtout, on arrête la pollution de ce bâtiment, qui est un bâtiment qui se dégrade. Et ça permet d'assainir de toute façon une zone industrielle qui est en fin de vie. Pour laisser place à la deuxième phase du projet, portée par le groupe CGR côté cinéma et Cartus côté hôtel, une grosse opération suspendue à la décision en avril prochain du tribunal administratif de Toulon concernant le recours déposé par l'association Environnement Méditerranée sur des questions liées au stationnement, à la dépollution du site, à la loi Littoral. Le fait que la justice ait été administrative, ait été saisie sur cette question de permis de construire, repose sur des préoccupations qui ne méritent pas que la justice freine la démarche. D'autant que la Seyne-sur-Mer est la seule commune de France de plus de 50 000 habitants sans cinéma.